Mesdames, messieurs, la Belgique. Rappelons qu'en Belgique, les Flamands sont les plus nombreux, les francophones sont les plus braves et les germanophones sont les plus... loin. Pour bien distinguer le nord et le sud, il y a la frontière linguistique. Tracée par on ne sait pas qui, sûrement le même con qui a créé le carrefour Léonard, tellement c'est mal foutu. Au nord, il y a la Flandre et son lion rugissant. Ah. Au sud, c'est la Wallonie et son coq cocoricotant. Cocorico! Mais dans la nouvelle Belgique, chacun montre un nouveau visage. Au nord, le lion s'est aplati, comme il vous semble joli, comme il vous semble beau. Sans mentir, si son miaou ressemble à son... il sera le phénix à la rue de la loi. Alors qu'au sud, c'est Wallonia 5 points noirs. Un logo que l'on retrouve déjà un peu partout. Et franchement, en Wallonie, il y a tellement de points noirs qu'on aurait pu en mettre plus. Y a-t-il un flamand dans la salle? Il y en a un. Eh bien, chassez-le. Sachez-le. Nous sommes en 2013, dans un pays neuf, négocié à 8 et scindé en 2. La Belgique est apaisée, stabilisée, simplifiée. Nous avions un arrondissement de Bruxelles-Alville-Vorde. Eh bien, on l'a coupé en 4. La scission de BHV est verticale pour l'arrondissement électoral et horizontale pour les tribunaux. Compris? En diagonale. Résumons. L'électeur francophone d'ici ne pourra désormais plus voter pour le candidat francophone de là, sauf s'il habite là, dans l'une des 6 communes à facilité. 6 points noirs pour la Flandre. Quant à la justice, un francophone d'ici ou là, s'il fait du mal à un flamand, pourra lui toujours être jugé en français. Ce qui, en Flandre, pour la magistrature assise, ne tient pas debout. Mesdames et messieurs, en Belgique, la réforme de l'État est le sport national. Ainsi, au fil des années, la Belgique était devenue un État fédéral composé de 3 régions, 3 communautés, 10 provinces, 589 communes, dont 27 à facilité, 6 gouvernements, 7 assemblées législatives. Il y en a un petit peu plus, mais quand même, 3 commissions. Nous avions donc la Chambre, le Sénat, le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement germanophone, le Parlement de la Communauté française rebaptisée Fédération Wallonie-Bruxelles, le Parlement bruxellois et 3 sous-parlements bruxellois, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire francophone, la Commission communautaire commune. Yes. La célèbre COCOM. COCOM. Non, COCOM. Nous avons 44 ministres. Donc... non, ça va pas être possible. En bref, il y a... 5 ministres de l'enseignement. 5 ministres du budget. 6 ministres de la santé. 2 pandas. 2 rois. 3 reines, dont une vieille. Une vieille. Pardon. Dont une veille à la santé de ses finances. À chaque réforme de l'État, on donne de plus en plus de compétences aux ministres régionaux. Les pauvres, ils en manquaient. Alors qu'au fil des années, les ministres fédéraux, eux, sont de plus en plus incompétents. Ça, c'est con. Mais dans la nouvelle Belgique, tout sera plus efficace, plus homogène, plus facile. Les impôts sur le revenu seront divisés. Et non multipliés. C'est-à-dire moins d'impôts au fédéral, mais plus d'impôts au régional. Plus. Grâce à l'autonomie fiscale, vous pourriez payer moins dans une région que dans une autre. J'y vais. Attention, prudence sur les routes. Car si le code est resté fédéral, les limitations de vitesse, elles sont... régional. 90 en Wallonie, 70 en Flandre. On est plus rapide en Wallonie et on roule plus vite les Flamands. La santé est fédérale, mais la prévention est communautaire. Par exemple, le préservatif est communautaire, mais la pilule du lendemain est fédérale. Mais alors... les allocations familiales ont été communautarisées pour plus de cohérence. Les allocations pourront donc être différentes là, là ou là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais ça suffit à la fin. Concluons. Dans la nouvelle Belgique, une famille francophone de Bruxelles, dont le grand-père est en maison de retraite, les 2 enfants dans une école flamande et la mère demandeuse d'emploi, dépendra de qui? Hein, mademoiselle, je sais tout, hein? Dépendra
du fédéral pour la pension de papy, de la communauté ou de la région pour la maison de retraite, de la communauté flamande pour l'école, de la communauté française pour la culture, de la COCOM, ah oui, la célèbre COCOM, COCOM, pour les allocations familiales, de la région pour la remise à l'emploi, du fédéral pour les sanctions, oh c'est bon ça les sanctions, hein, de la ville pour les poubelles et de la commune pour... La police! Ils ne seront pas trop de 44 ministres à s'en occuper. Dont un a mal de tête à essayer de comprendre. Et le mal de tête chez nous est... Communautaire? Communautaire. Mais c'est moi qui ai mal à la tête. Oui, et bien maintenant c'est moi. Mais... Santé! Oh,